Aujourd'hui, on se retrouve à Simaf pour la présentation des vœux de l'an. Et habituellement, on le faisait entre nous, mais cette fois-ci, puisqu'il faut toujours améliorer et développer la situation, et nous avons essayé de faire appel aux femmes et aux enfants de nos travailleurs pour fêter ensemble dans la joie la présentation des vœux de l'an. La présentation de vœux de l'an sera présentée tout de suite par le directeur général, M. Touré Boubata, le directeur général de l'IMA. Oui, et alors, responsable des ressources humaines, vous avez dit qu'est-ce qu'on peut dire, retenir des conditions de travail ici dans cette entreprise. On sait que quelquefois les travailleurs peuvent se plaindre. Comment ça se passe ici? Ben, je pense que les travailleurs sont gérés dans les règles de l'art et dans le respect des travailleurs, et dans le respect du travail. Donc chacun vient à l'heure, fait son travail à l'aise et puis il part. Ils ne se plaignent pas de leur salaire, des conditions de travail? Non, je pense que CIMAF est l'une des sociétés qui fait beaucoup pour ses travailleurs. Non seulement la couverture sanitaire est donnée, et puis sur le plan salarial, tout le monde est bien rémunéré. Et en plus de la rémunération, CIMAF aussi accorde beaucoup de primes à ses travailleurs. Donc je pense qu'on est bien soigné, bien traité à CIMAF. Et d'ailleurs, le travail de CIMAF, je dirais par rapport à beaucoup de sociétés, sont les travailleurs vraiment qui sont à l'aise. Vous avez combien d'employés? Nous avons 82 personnels propres et plus de 250 sous-traitants. Voilà, et qu'en est-il des conditions environnementales? On sait que c'est du ciment, peut-être que ce n'est pas forcément propre, on va dire. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour éviter la pollution et que pour ne pas créer des désagréments au voisinage? Oui, je pense que CIMAF est, comme j'ai toujours dit, une société qui respecte toutes les normes. Seulement, ce n'est pas seulement les normes environnementales, mais plutôt les normes de sécurité, santé, de toutes les normes en fait. Bon, puisque nous parlons maintenant des normes environnementales, je pense que CIMAF a tout ce qu'il faut comme dispositif et procédure pour que les travailleurs travaillent dans la sécurité, et dans la santé et avec le respect de l'environnement. Nous avons un service, un chef de service ici, M. Kamara Ousmane, qui est notre QHSE, le responsable de la qualité, hygiène, santé et environnement, et qui veille au grain. Donc ici, les EPI sont portés. Les EPI, ce sont les équipements de protection individuelle. Et les consignes sont partout. Là où c'est balisé, on ne doit pas avoir accès. Et pour avoir accès, qu'est-ce qu'il faut avoir comme protection individuelle? Donc tout est nickel ici. Merci. Répète la présentation. Je reprends que je suis M. Fofana Thomas, le responsable des ressources humaines de CIMAF. Merci, monsieur. Merci. C'est fini.
Il faut fermer, il y a un qui n'a pas fermé. Rouge. C'est bien. Le bonheur, la santé à vous et à vos familles respectives. Par cette journée, car cette journée est dédiée aux familles et collaborateurs de CIMAF. En ma qualité de directeur général, j'ai toujours apprécié les engagements professionnels dont vous faites preuve par vos efforts fournis au quotidien. Il faut savoir dire et redire que notre entreprise a su allier la maîtrise de son savoir-faire traditionnel et son développement en direction des marchés grâce à nos efforts et à notre application. Poursuivant son plan de développement, notre entreprise a déjà amorcé son extension pour tripler sa capacité de production. Il s'agit là d'un nouvel élan d'investissement important. Je peux vous affirmer que vos qualités professionnelles, mais aussi personnelles, sont reconnues à tous les niveaux. Si les travailleurs de CIMAF sont là 24 heures sur 24, c'est grâce à la compréhension de leur famille. Grâce aux femmes, grâce aux enfants, je vous en remercie très sincèrement. Je n'oublie pas que la réussite de notre entreprise, c'est grâce à des femmes et à des hommes comme vous que nous la devons. C'est pour cette raison qu'on a demandé à tous les travailleurs d'être là aujourd'hui accompagnés de leurs femmes, de leurs enfants, pour fêter cette journée avec nous. Je profite de cette occasion pour vous remercier du bon travail accompli durant l'année 2018. Je vous invite à redoubler d'ardeur pour le bilan de 2019, pour que 2019 soit meilleur à 2018. Je termine ce discours en remerciant notre président et notre directeur général Soul pour leur engagement à accompagner le développement de CIMAF Guinée. Je vous souhaite un agréable moment avec nous, une bonne journée, bonne fête, bon appétit et vive la CIMAF. C'est une journée que nous avons dédiée à la famille CIMAF. Une première pour se rapprocher de la communauté, une manière de nous aider pour la mise en place.
voilà, c'est pour que la famille sache où travaillent les parents, comment, dans quel environnement ils évoluent. Voilà. Une fois, ils auront vraiment que... Je ne veux pas appeler les enfants. Trouver l'environnement. L'environnement il est magnifique. Alors, la présentation, monsieur. Pas à la façade, parce que ça vous connaissez.